Ah, la clé du rituel, les mecs, c'est pas bon par contre. Hein. Là, on s'approche. Hein. On s'approche dangereusement. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur Kushisake Onna. J'ai vu des commentaires, c'est un abonné qui le proposait. Donc on va le faire. Apparemment, c'est un fantôme japonais ou une femme qui fait peur. Vous allez voir ça avec moi. On va découvrir ça ensemble. Je sais pas dans quoi je me suis fourré, les mecs, mais ça me dit rien qui vaille. Ok. On a un jeu d'échecs. Je ne sais pas quel est le but. Est-ce que c'est une maison sorte granny? Ok, lire la note. Décembre 1998. Aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il y a une moyenne de s'immortaliser. Ça nécessite un sacrifice, mais ça vaut le coup. Je vais chercher ça, en gros. Alors. Donc, ça parle de sacrifice et de vie éternelle. Ok. Donc, on aura un code. Oh, je le sens pas du tout, les mecs, ce jeu. Une autre note. Je suis content que j'ai Mitsuhiko. Après le rituel, on va tous les deux devenir immortels. Ça a pris 2 ans pour construire le labo de recherche souterrain. Et plusieurs années de recherche ont échoué avec les rituels. Mais on y est presque. On va devenir immortel. Oh putain, qu'est-ce qu'ils ont foutu ici? Non. Non, 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 pas ça, pas ça, pas ça. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Pourquoi j'ai accepté ça moi aussi? Décembre 2004. Ah ouais, il s'est passé 6 ans. C'était une nuit froide d'hiver en 1998. Je n'oublierai jamais ce jour où j'ai trouvé que je pouvais être immortalisé. Je le sens pas du tout, les mecs. Il y a une porte qui s'est ouverte. Il n'y a pas énormément de portes, hein, mais c'est ça qui m'inquiète, justement. Que je pense que celle de gauche s'est ouverte et celle-là, il faudra un code. C'est ça? Non. 1998, hein. 1998. C'était évident. Si c'était pas ça, c'était... 2004... Non. Non, je veux jouer à un jeu vidéo, s'il vous plaît. Ok. Storage key. C'est pas ça? Ok, j'ai la clé d'en face. J'ai peur, les mecs. Ok, on a une autre clé, donc là, ça va être bon. Mais le problème, c'est que... Je sens le screamer. Ah, je sens le screamer, les gars. J'espère qu'il fait pas trop peur. J'espère qu'il fait pas trop peur. I should wash the key. Mais depuis quand on lave les clés? J'ai jamais vu ça de ma vie. Ok, ça c'est un gros guet-apens pour que je meure, ça. Ça c'est un truc à me dire, regarde, elle est là, va laver la clé, elle est ici. Je lave la clé. J'ai lavé la clé. C'est bon. Elle va arriver, je le sens pas du tout. Putain, c'est trop calme. Il y a aucun bruit de fond, je vous mettrai un petit bruit de fond, mais... Ok. Oh non, les ténèbres. Là, il y a un petit bruit de fond. Il y a énormément de choses sur le sol. Oh putain, non. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Dans quelle merde je me suis fourré à mon corps. Ok, on a une note. Où est-ce qu'il est? Mitsuhiko n'est pas ici, mais le rituel est prêt. Je lui dis que j'ai laissé la clé comme on le faisait toujours. Above the tree, au-dessus de l'arbre. Donc il y a un arbre, il y a une clé. Donc ça c'est une indication pour moi. On va trouver un arbre avec une clé dessus. Ah, c'est sombre. C'est très très sombre. Ça fait un peu peur. Ça clignote. Pourquoi? Oh mon dieu. Ça ressemble à ça? On est mort si ça ressemble à ça, les mecs. Hein. Ça clignote, c'est pas bon. Oh. Et je fais comment, moi? J'ai vu aucun arbre. J'ai vu aucun arbre. Putain, j'ai peur. Ok, j'ai ouvert ça. C'est quoi ce jeu? Je le déteste, ce jeu. Ah, il y a une autre. Ok. Presque fini. On a presque fini avec les recherches. Le rituel devrait être prêt dans quelques jours. Finalement, Mitsuhiko et moi serons immortels. Certes, mais... Donc, ils ont parlé d'une clé au-dessus d'un arbre, mais... Above the tree. On a la clé ici. Yes, j'ai la clé. Du coup, là, c'est bon. J'ai la clé. C'est pas pour celle-là. Donc on va revenir. Ok, on vient d'ouvrir ici. Ok, on a une clé ici maintenant. Ah, la clé du rituel, les mecs, c'est pas bon par contre. Hein. Là, on s'approche. Hein. On s'approche dangereusement. Ah! What the fuck? Oh mon dieu, elle arrivait d'un coup! Et c'est grave comme elle arrivait sur moi. Je me casse. Putain, elle court trop vite.
fais comment? Ah, je fais comment? Ok. C'est mort. C'est mort! Je fais comment, moi? Ah, ce jeu, il est stressant. Il n'y a aucun bruit depuis tout à l'heure. Elle arrive d'un coup. Allez. Oh my god. On va essayer d'esquiver à la granny. Ah! Allez, 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 allez. Oh mon dieu, elle est horrible. Ok. J'ai peur de manger un screamer maintenant. Ok, les ténèbres. Ok, on est notes. Un jour avant la fin du rituel, je peux pas trouver Mitsuhiko. Looks like he bailed. Il a dû s'enfuir ou abandonner ou avoir peur. Oh putain, putain, je crois qu'elle arrive. J'entends du bruit de pas. Elle est où? Elle vient vers moi ou elle part? Ok, elle est derrière ce mur. On est notes ici, librairie. Mitsuhiko gave me. Il m'a donné le mauvais rituel. Est-ce qu'il s'est moqué de moi? I summon a monster. Ok, elle a invoqué un monstre en fait. Ils se sont piégés les deux en fait. Enfin, lui il l'a piégé. J'ai fini le rituel sans Mitsuhiko et il n'a pas marché. J'ai invoqué une sorte de monstre. Se cacher dans cette pièce ne va pas me sauver pour longtemps. Ok, donc c'est le monstre qu'on voit en question. Il devait faire un truc d'immortalité, je vous le rappelle. Et là on a droit à un monstre. Ok, elle arrive. Wow. C'est mort là. Elle arrive. J'ai semé. Je vois rien. Ok, elle est toujours derrière. Oh putain. Oh, attendez. Attendez, j'ai pas le choix, je suis obligé d'aller derrière elle. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ok, je peux passer là. Je cours. Ok, moi je suis là. C'est fermé. Je suis dans la merde. Ok, j'ai pu passer. Ouh, c'est stressant. C'est vraiment stressant ce jeu. Là, je suis où? J'ai une note. Les clés du rituel room are somewhere in the library, but oh. Oh putain, comment je vais les avoir les clés? Elles sont dans la librairie, vous avez vu c'est quoi la librairie? C'est où elle est elle? Putain, je vais faire comment moi? Comment je vais faire les mecs? Est-ce qu'on l'entend? Faut que je puisse l'entendre. Oh mon dieu. Faut qu'elle se barre. Oh, on voit rien. Allez, barre-toi. Putain, je l'entends pas loin. J'essaie de me fier au bruit, mais c'est compliqué. Et merde. Mais qu'est-ce, faut qu'elle reparte vers la gauche. Faut qu'elle reparte là-bas. Je sais pas où elle est. Non. Comment je fais, moi? Oh putain, oh, c'est mort pour moi. Bon, j'ai pas le choix, va falloir y aller. Hein. Ça va être compliqué là. Elle campe. Hein. C'est une joueuse de Call of, les mecs. Ah, what? Pardon, le jeu? Les gars, le jeu m'a pranké. C'est dégueulasse qu'elle m'a fait. Faut que je comprenne par où elle passe. Oh putain, je crois qu'elle allait faire un demi-tour. Ok, j'ai la clé. Ah, ah, j'ai la clé, yes. Je me casse. Ouh. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ok, instruction. Prends un ingrédient, place-le dans un des trois tubes. Si le bon ingrédient est bien placé sur un des trois tubes, la porte va s'ouvrir. Ok, bon ingrédient sur chaque tube en fait. Ok, une couleur, est-ce qu'il n'y a pas un indice?
Alors, dormir durant le jour, chasser pendant la nuit, le plus intelligent d'entre eux, enfin, the wisest, je sais plus si c'est ça exactement, to fill his appetite. Donc, ça parle d'un prédateur. Hein. Donc, le vert, ça parle d'un prédateur. Bat, c'est chauve-souris. Araignée, phlox, je sais pas ce que c'est. Moonflower, moonflower. Est-ce que ça serait pas le genre de pollen, celle qu'on souffle? Wolf, oreille de loup, ça pourrait être ça. Hein. Hibou, criquet, tulip, cockroach, c'est cafard, aigle. Alors, chasse la nuit intelligent, on va dire c'est le hibou. Ou la chouette, la chouette. Ça, ça brille la nuit. Ça se cache le jour. Et le criquet, c'est clicking. Criquet, le bruit, c'est clicking en anglais, je crois. Ça. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Yes. Yes, les mecs. Oh putain, on l'entend. J'ai besoin de la raison de sa mort. Pourquoi ça fait pas pause quand on lit? C'est le seul moyen de la vraie immortalité. Que le rituel fonctionne. Après ça, je brûlerai sa tête et l'immortalité sera à moi. Donc c'est ce qu'il a dit sans le mec. Putain, il voulait la trahir en fait. Je crois qu'il arrive jusque là, je suis mort. Oh, c'est la fin. What? Il est même pas sur moi. C'est chaud. C'est chaud les mecs, ce jeu, c'est chaud. Elle m'a pas vu. Elle va me voir. Elle va me voir. Elle va me voir. Elle est bête. Oh là là, il fait flipper. Oh, c'est un genre de ciseau, ok. Je me taille. Moi, je me taille. On va dire ça. Ça a marché. Il est invoqué avec un faux rituel que je lui ai donné. Je peux contrôler le monstre finalement. Je vais brûler. Ok, sa tête et devenir mortel. Franchement, les gars, j'ai pas le temps de lire. Wow! What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? C'était un gros prank ça. Attendez. Hein? Soufou, vous pensez vraiment que je partagerai l'immortalité avec lui? Une fois que je l'aurai invoqué, je le sacrifierai et je deviendrai immortel. Ok. Qu'est-ce que je dois faire du coup? Wow! Oh putain, se cacher, se cacher! Ok, je suis dans le placard. What the fuck? Hein? Pourquoi? Félicitations, maître. Vous êtes immortel. J'ai essayé de vous tuer plusieurs fois. Vous êtes immortel. Mon travail ici est fini, maître. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de malade?